Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne L'Évangile 777. Et vous allez suivre la leçon de l'école du sabbat avec le présentateur Dilius Félix. Bonjour, bonsoir. Après-midi, c'est un plaisir pour nous. Matin, c'est un plaisir pour nous capables de tourner ensemble avec vous encore pour nous étudier la leçon numéro 4. Là. Pas oublier la leçon de la vie, mais ça. C'est dans le livre d'Esaïe, le prophète d'Esaïe n'avait dit, c'est un livre, comme dit nous déjà, c'est un livre qui est très très important dans toutes les prophéties. Il y a 66 chapitres là-dedans, tant que la Bible a 66 livres là-dedans. Ouais, c'est presque la même capacité que le livre d'Esaïe a gagné avec la Bible là même ensemble. C'est un livre on s'est mis et bibliothèque lié tout lui-même, le livre d'Esaïe ça. Et c'est même nous parler chapitre 4 là ensemble avec vous, la demande est capable. Mais pour nous attention, soutenir ensemble avec nous dans les choses. Nous avons des amis ensemble avec nous, qui ont été dit dans les gens qui ont fait partie ensemble avec nous. Pour ne pas dire décemment, nous avons des amis qui ont suivi nous ensemble avec nous. Nous avons Juliana, Fébran, qui ont été ensemble avec nous dans le temps passionnant. Nous avons commencé les soins. Mais après la pandémie, nous avons fait camper, nous avons réfléchi sur le bail. Nous avons ensemble avec nous après midi. Bonjour, c'est Juliana. Juliana. Et nous avons ensemble avec nous encore qui c'est Menta et Metelis qui c'est pour la bonne fois d'avoir assisté ensemble avec nous. Et nous comptons pour nous ensemble. Bonsoir, bonjour, c'est Menta. Bonjour, Félix. Ok, nous laissons la vidéo pendant la semaine. Ça, les gars, pour titre. Les gars, pour titre, assez dépend. Assez dépend. Gain Bouchio, nous avons un titre là, non l'autre mot. Ce n'est pas tout le monde qui va dans le même sens. Mais nous-mêmes, pas nous, nous avons à 7 points. Verset à Mémosia, nous venons dans Isaïe chapitre 8, verset 17. Mais nous pas répéter verset Sakou, nous avons 11 amis qui sont avec nous, qui suivent nous en Brésil. C'est lui-même qui va lire verset A pour nous. Il va le répéter verset. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place ma confiance en lui. D'après les livres. Ésaïe 8, le verset 17 d'après version oui, c'est con. Et maintenant, verset à pour nous, et verset ça nous va bien pour nous étudier pendant tout ce maintenant pour nous qui met la tête nous. C'est lui qui a aidé nous à comprendre les soins en plus. Et dans la pensée centrale des soins, il a parlé nous, dans la pensée centrale avec introduction samedi, il a parlé nous de petite dame pour un appartement qui prend 10 feet. Et bien, une petite dame qui est dans l'appartement, qui s'est passé, une petite dame dans son avec grillé. Pompier, il est venu pour faire intervention pour sauver une petite dame en dedans, mais il y a une possibilité, c'est dans le troisième étage jusqu'à le quatrième étage, petite dame dans le il y a une possibilité pour sauver une petite dame pendant qu'elle a lui-même dans l'appartement, ça dépend du fait. Et bien, qui est-ce qui vient sauver une petite dame? C'est le papa de la petite dame paraît, il y a un mégaphone dans le même. Les petits là attendent de voir papa, malgré les paroles, ils attendent de voir papa, et puis papa dit lancer les pour tomber en bas, papa parer les. Et bien, petit là vraiment, il n'y a pas de peur, il n'y a confiance à papa. Il était tiré l'enlève vraiment, il était venu descendre, il est venu tomber, bon côté papa, papa est arrivé sauvé. C'est papa qui a sauvé, il y a des gens qui ont sauvé avec lui, il a confiance dans papa, il n'y a pas de confiance dans l'autre monde. Et ça, quand on a dit pendant une semaine, ça a parlé nous dit, confiance ou manquer confiance. Le problème à cause de gagner, il n'y a pas de confiance dans le bon Dieu. C'est ça qui fait toute calamité qui est arrivée à Cap jusqu'à ce que nous ayons Cap ça. Dans les sons, nous allons ça. Côté à Cap, tu viens de venir dans le bon Dieu, tu viens m'adorer. Faut Dieu, même j'ai avec mon Syrio, mon Assyrio. Nous avons passé dans la partie dimanche là, que nous avons pour titre prophétie accomplie. Nous avons passé ça, c'est dans Esaïe, chapitre 7, nous, c'est même l'Ésaïe qui a continué ensemble avec nous. Et l'Ésaïe chapitre 7, là, verset 14 à 16. C'est là, et partie dimanche, là, il centre lui. Côté Saint Flérant, il va lire verset ça pour nous. Et nous allons avoir une certaine explication sur le passage. Ésaïe 7, verset 14 à 16. Il dit comme ça. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème du miel, jusqu'à ce qu'il sèche, rejette le mal et choisit le bien.
Mais avant que l'enfant sache, rejette le mal et choisit le bien, le pays dont tu crains les dieux rois sera abandonné. Ok, c'est un bel verset, nous allons expliquer lui, mais avant de nous faire court ce soir, il est important pour nous adresser nous à l'Éternel pour le Saint-Esprit qui est capable de nous aider nous-mêmes. Nous avons peut-être nous pour nous faire une prière. Notre Dieu, notre Seigneur, Papa, nous qui avons dans ces lieux, nous bénissons. Nous saluons Dieu, ton Seigneur, grand nom pour tes bienfaits envers nous manifester. Maintenant, nous ensemble, après un moment ça, pour nous capables de dire des paroles. Et paroles qui sont importantes pour nous, surtout dans le livre d'Isaïe que nous avons étudié. Aidez-nous, Seigneur, pour nous comprendre le livre d'Isaïe, pour faire ça, et pour nous capables d'appliquer dans la vie, nous, parce que nous avons vu tant de prophéties. Bénis-nous et pardonnez les péchés, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, nous, qui ça dit nous, il dit nous, enfant ça qui vient pour fête là, il pas doué manger l'autre bagaille, c'est crème avec miel pour nourrir. Et il dit nous, une prophétie à son prophétie qui accomplit dans le passage ça. Eh bien, nous, il dit nous, avant ça, il y a un peu de monde qui dépensait, c'était petite et Akaz, il dit même, qui t'a bonne fête là, un peu de commentaire. Et sur petit à cause qui devine cette qui dans place à cause c'est pas les mêmes et l'un fait un pile et je recherche nous fait nous un passage prophétie ça livre accompli dans le Nouveau Testament parce que comment on peut dire ça à relé il y a des petites là à relé tu vas relé Emmanuel qui conduit Emmanuel qui conduit nous Emmanuel c'est un nom que vous pas venir découvrir c'est pas petit à cause là qui te porter non ça. Mais nous, Emmanuel, ça vraiment, il est répété dans le Nouveau Testament, qui vient pour eux avec Yes. Et qui ça, moi, Emmanuel l'avait dit, d'après nous-mêmes, moi, Emmanuel, c'est ce qu'il avait dit. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est ça que nous, là, et lui-même, académique, qui dit par là, qui est venu en place pour moi, c'est pas lui-même, ça, qui était ensemble avec nous, parce que c'est Dieu, c'est Jésus lui-même, qui a, et bon Dieu lui-même, qui a fait le monde, il n'était pas Jésus. Il est venu sous terre, il est venu le Jésus. C'est même nom ça, c'est ange là qui est non en tout, qui est venu le Jésus. Il est non en tout, qui est Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et nous, bon Dieu lui-même, avec le peuple d'Israël, il était habité avec le peuple d'Israël dans le désert. Et ça veut dire que le peuple a pris un sanctuaire pour lui. Il est parti dans les saints, dans les très saints. C'est dans les très saints, il est toujours une présence. Et ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui qui est entré dans les très saints. Et c'est mon souverain, sacrificateur. Aaron, il a le droit pour entrer dans les très saints. Mais combien de fois ça a été fait? Une fois par année. Il n'y a pas de café d'après volonté. Si on ne fera pas par an pour le café ça. Et bien nous, bon Dieu, tu es pour habiter dans le milieu du peuple. Et bien, tu es habité dans le moment ça. Et dans le temps, les peuples ont été en disant en passant pour des canarans. Mais nous connaissons bon Dieu, il va habiter au milieu de nous-mêmes. C'est Jésus, après mille ans, il va habiter ensemble avec nous. Les ça, non pas pour les gens qui ont péché encore. Dans le cas où Jésus face à face. Et bien, il y a un verset encore, nous avons dit, nous avons demandé pour qu'on oublie verset 15 là pour nous. Verset 15 de la même chapitre là. Même chapitre 7 là, on va plus passer là encore pour nous. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Nous, et Wassiri, n'a pas fait ça, il comporte qui va dire que Wali même, il vient anéanti, Wassiri anéanti, pour Wassiri aliment l'anéanti, et pour voir des Syri tout, il anéanti. Et mon gens qui étaient campés en face à case, eh bien, ils étaient venus anéantir. Et ça, le verset de Banou là, ils n'ont pas bien pouvoir encore là, ils ont anéanti, ils ont éliminé. Eh bien, ce qui sont mon gens, eux-mêmes, ou à cause d'idées, faire confiance, c'est mon gens qui pensaient de Kaïdil, particulièrement Wada Siri. Eh bien, Wada Siri, il était tombé. N'a pas passé dans la partie lundi, pour ne pas prendre trop de temps, dans la partie lundi, brefement, il dit comme ça, conséquences prévues, ça qui côté nous bajouni. Nous venons dans Isaïe chapitre 17 là, verset 17 à 25. Mais nous ne pouvons pas lire tout chapitre là pour nous continuer à 25. Ça nous va pas, nous allons lire, il y a certaines questions posées. Nous allons utiliser ces versets sur-dessus, pour exemple, ça nous fait en l'air. Et du nous, qu'arrivera-t-il au pays d'après ce que dit le Seigneur? Qui s'accrive pour Isaïe après sa signature dit pourquoi ne devrions-nous pas être surprise par cette ici? Par cette ici, d'après ça, pourquoi ça ne pas surprise nous-mêmes? Pourquoi ça ne pas surprendre nous?
Eh bien, on dit nous, des appels répétés, furent adressés aux Israélites pour les inviter à retourner à l'Éternel. Vous entendez? Appel ça, vous avez fait, yo. Tout autant, et vous avez quasiment mis tabac et mal, vous avez abandonné tout, adoré faux Dieu. Et bien, appel yo, répéter pour qu'on retourne, pour que vous avez retourné à l'Éternel. Et bien, il y a un peu de monde qui a dit à tout. Parce qu'Israël, c'est Israël spirituel. Il y a un peu de monde qui croit Jésus qui a retourné, il obtient le retour de Jésus, c'est Israël et Dieu. Eh bien, ils ont toujours dehors, ils sont loin, ils n'ont pas marché dans la condition que bon Dieu m'a dit marcher. Eh bien, après ça, ils ont fait à eux-mêmes tout, puis ils ont retourné à l'Éternel, tant qu'ils ont fait avec les enfants d'Israël dans le temps passé. Le verset pour nous, les quelques versets là-dedans, revenant verset 17, revenant 18. Verset 17, il dit comme ça. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton père et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Le roi d'Assyrie, en ce jour-là, l'Éternel soufflera leurs mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se prosterneront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des roches, surtout les buissons. Et surtout les pâturages. Donc, nous arrivons dans verset 19. Verset 19. Ok. Yo, dis-nous, catastrophe, ça, c'est catastrophe qui a privé. Pour moi, c'est pas pour peuple. Et Judas, ça y est. Mais pas oublier, ou dit non, que c'est pas Israël, que c'est la Samarie. Et de plus fort que Judas. Son petit reste groupe monde, bon, j'ai été quitté dans la partie Judas. Il s'appelle David dit, mais il fin que de Salomon devin roi, Salomon te fait bagay qui pas bon, et bien ou même devin divisé, Seigneur te dit il a pris ton petit lamplumé pour être David, d'après ton petit lamplumé dans descendant David, et ça fait de diviser le royaume non, ou parti nord, il y a plus monde là-dedans, il y a plus tribu là-dedans, il y a deux tribus seulement dans parti Juda, c'est ça qu'on voit, Juda qui souffre en pile. Et à cause infidélité à l'Éternel, malgré appel qui fait à eux-mêmes pour dire repentir, ou pas dire repentir, et bien ils étaient allés en captivité. Qui ça a parlé nous là et d'Assyrie et nous te cas dit Israël qui s'est parti Noah mon ça a été allé a été écrasé a été allé en captivité qui était Juda pour conduire Juda. Mais qui s'est passé wa a quasi même les visiter zone Damas lui recommande nous de faire hôtel à Badou il faut dire qui ça a savé demander et sacrificateur Uri pour le capable faire un hôtel là, même pour mine ça pour lui, pour le capable d'Uri. Est-ce que c'est bien, il pas de faire bagaille comme ça, parce que c'est bagaille idole. Je dis non, et oua, ça allait même de la guéli, directement observer Dieu païen, dans le faux Dieu. Et bien, ça fait, l'Éternel pas d'accord. Et quand oua, lui-même, lui, dans bagaille ça, c'est comme ça, tout le peuple là, lui-même, il a abandonné l'Éternel. Nous, on a passé dans la partie, m'a dit, qui a dit non, un nom qui est dit, qui en dit long. Esaïe 1er verset, Esaïe 8 verset 1er à 10, mais non pas pour aller verset 1er à 10 là, on apprend en bas quand on pose une question, dit comme ça. Le message du non est clairement associé à une conquête rapide, mère qui conquiert qui. Esaïe 8 verset 4. Verset 4, on appelle verset 4 là pour nous dire ça. Il veut dire nous. Il dit comme ça. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le bulletin de Samarie. Verset 4. Ok. Et dis-nous, dans chapitre 8, là, verset 1er à 10, là, nous allons un petit élément, un paragraphe où, là-dedans, et dis-nous ça. Et dis-nous, renforce le message du chapitre 7. Chapitre 8 là, il est renforcé et le message que nous jouons dans le chapitre 7 là. Côté que dit nous, Timouna, avant que Timouna arrive, qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas maman. Nous connaissons un Timouna qui a connaissance, il a commencé à dire papa, il va connaître ce qu'il a, non? Mais qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas maman, il va dire n'importe mon papa, il va dire n'importe mon maman.
Eh bien, il dit non, tout le monde sait qui ça doit manger. Il doit manger crème avec miel. Ce n'est pas n'importe manger. Eh bien, nous, c'est ça qui est arrivé pour le peuple. Ça. Eh bien, il dit non. Et c'est ça, il dit non. À Kabli même, il était tourné, il est allé visiter la Syrie. Eh bien, non, tu veux dire ça, que c'est Zahir lui-même qui était baillé, ou a été dit oua, pour Wajida. Eh bien, il dit non, il était. Gain pour avec Israël. Non, ça a gain pour avec Israël du Nord. Est-ce que vous comprenez? Là, nous, dans le troisième paragraphe, là, il y a gain pour avec Israël du Nord. Que veut dire Israël du Nord? Parlez nous, c'est peuple Israël là, qui s'est dirigé par le roi qui était attaqué, soit attaqué à Kazio. Mais du Nord, ça lui-même, qu'on a eu de chance pour là toujours. Et nous ne pas prêter sur ça seulement pour ne pas prendre plus de temps, pour ne pas déranger personne, nous garder des leçons avec nous. Mm-hmm. Nous avons passé dans la partie mercredi qui dit « Rien à craindre quand nous craignons Dieu lui-même. » Il y a un bagage qui a fait nous porter attention là. Il dit « Nous ne pas pour nous craindre, les nous craignent, bon Dieu. » Là, il parle de mots craintes, il y a des gens qui disent « Mots craintes, c'est peur. » Mais mots craintes, c'est pas les noirs, c'est pas peur. Ça va nous venir dans Apocalypse 14, verset 6 à 12, qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui droit. » Voilà. Parce que les gens disent comme ça, ils voient 11 anges qui volent dans le temps celle-là, qui ont l'évangile éternel pour annoncer à toute nation, tout peuple qui est sous terre, tribu, langue. Eh bien, qui ça te dit? Il dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Adorez le monde qui fait celle-là, terre, la mer et tout le bagage nous est. Mais c'est ça que nous est. Peur, ça, nous craignons ça, c'est pas peur, mais c'est gagner crainte pour mon Dieu. Mon Dieu qui crée tout le bagage là, c'est ça pour nous, ouais, pour nous gagner crainte pour mon Dieu. Ça qui est passé pour voir ça, ou à pas gagner crainte pour mon Dieu, nous tout tentative a été fait ensemble avec le grave gagner crainte pour mon Dieu, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, il va gagner crainte pour mon Dieu. Il est plus croire dans l'homme qui te capable de sécurité avec le royaume Juda. Mais bon Dieu fait offrir lui un autre signe, c'est de. Une jeune fille qui a fait un petit petit garçon qui est Emmanuel. Malgré ça, lui-même n'est pas d'accord. Mais si ça lui-même, offre ça a été accompli vraiment. Et ça, quand dit ça, il faut que nous crêtes, bon Dieu, mais que nous arrivions, crêtes l'autre monde. Depuis nous, les crêtes pour bon Dieu, nous n'avons pas peur pour nous connaître le monde qui a fait un problème. Et il y a un autre verset, nous avons pu pour nous lire. En nous aller lire pour nous, chercher pour nous dans Matthieu 22, verset 37. Il dit comme ça. Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ok. Il parle de nous là dans le deuxième paragraphe, ça dit la véritable crainte de Dieu. Est-il saint signifie que vous le reconnaissez comme la puissance suprême dans l'univers. Si l'organe crée le bon Dieu, vous reconnaissez le bon Dieu qui crée toute bagaille. Et bien, c'est ça que là, j'ai été touché par ça, Matthieu 22, verset 37 là. Il connaît révélé tout commandement en deux. Il révèle 10 commandements en deux. L'amour bon Dieu et l'amour prochain. Bon Dieu lui-même, il dit c'est un monde qui est jaloux, il va partager l'amour avec personne. Et nous, du commandement révélé en deux, il y a 4 commandements là-dedans, c'est pour bon Dieu. Il y a 6 commandements qui sont pour prochain. Nous, le premier commandement qui est allé approcher, il y a une promesse là-dedans. Pas oublier. Pour le commandement qui dit, c'est qu'il y a un commandement qui dit, honore ton père et ta mère avec tes jours, sauf que c'est pour l'ange, dans les pays que l'éternel ton Dieu te donne. Et Noël, ici, on mon premier prochain, c'est papa ou maman. Après ça, nous, pas touiller, pas faire du terre, pas voler, pas mentir, pas convoiter. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout ça, c'est pour vos chiens. Mais bon Dieu lui-même, par ça, qui appartient à bon Dieu, ou pas ou l'autre bon Dieu, parce que bon Dieu Christ est la terre. Et ça veut dire, crainte bon Dieu. Il n'a pas dit ce père, de vous créer pour bon Dieu, ou pas un père pour mon Dieu qui a fait mal. Et bien, comme ça, pas bon Dieu, c'est pas l'autre bon Dieu, parce que c'est lui-même seul, pas faire image taille, pas prendre un bon Dieu en vain,
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est quatre commandements qui appartiennent à bon Dieu. Jésus résumé là en dégâts. Plein de monde qui dit comme ça, c'est des commandements Jésus. Jésus va des commandements. Là, on nous résume, disparu d'avoir parlé ou pas. On a des mots, c'est même disparu d'aller parler. C'est pour ne pas prendre trop de temps avec nous en parler, de résumer, ça le tabac du là, comme si pour ne pas répondre, ni pour ne pas, même pas répondre avec lui, c'est pour se faire en sortie. Eh bien, nous, roi Akaz, c'est un roi. Il était même offert petit lit en sacrifice by for Dieu ça yo pour petit lit bagay bon Dieu pas d'accord. Et ben c'est ça que nous wa akalité, il était fini mal tout, il était fini mal. Papa et grand papa il était agi bien au commencement, à la fin il était agi mal. Et ben lui même il vient agi mal lui même, il dit offrir pour petit lit adorer for Dieu. Dieu pas un seul que dit non Akaz même il pas te carté lit de géant de bagay ça yo. Nous avons passé dans la partie Jésus qui dit nous malheur aux morts vivants ingrats. Et vous parlez nous malheur aux morts vivants ingrats. Comment nous devons comprendre les gens qui vivent et de se mourir? Comment nous devons comprendre ça? Eh bien, quand nous disons ce qui dit tout, mort en vacances. Que dit un monde qui va connaître bon Dieu la marché, il va aller au bon Dieu, c'est mort en vacances. Parce que tout ce qui est là-haut, il va craindre bon Dieu pour le balai gloire. Et puis, depuis que je suis venu à la bon Dieu, gloire, il va mourir en vacances parce qu'il y a des gens qui respectent. Mais les gens qui sont en vacances, ils ne peuvent pas être en train de se faire. Et bien, il dit non, c'est dans Esaïe chapitre 8, verset 16 à 22. Et c'est là que nous allons nous centrer pour nous capables de camper sous, nous ne prendre plus de temps sous lui. Essayez de voir ce verset ça pour nous, c'est Esaïe 8, verset 16 à 22. Il dit comme ça, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui sache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir qui pousse des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans de pèses ténèbres. Ok. Nous, dans le verset, ça nous sommes dans la Bible. Nous faisons connaître si un monde n'a pas un bon Dieu comme un monde qui craint pour lui, il fait tout le bagage, nous sommes créatifs, nous ne connaissons pas comme Dieu nous, qui est le Dieu de l'univers, eh bien, c'est un monde qui est capable de faire un gars de tous côtés. Il peut même arriver à dire bon Dieu là, il peut même dire pas un bon Dieu parce que nous sommes un monde. Et David dit dans la parole, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Que nous ne redit même avec le monde qui est insensé, il ne dit pas un bon Dieu. Et mon sang sont abandonnés. Et ça, quand nous sommes dans le verset 20 qui dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il y a point de voix pour les peuples. Quel que soit le monde qui a parlé de l'évangile, s'il ne va pas parler de la loi de Dieu et témoignage, il ne va pas mener le monde à aucun côté. Qui est-ce qui dit ce témoignage-là, même nous, si nous comprenons? N'est-ce pas que vous pensez avec le témoignage-là? Témoignage-là, on va dire, c'est mon qui garde. Et commandement bon Dieu et la foi de Jésus. Non, c'est pas ça lié.
Et c'est même pas bien pour dire, voir qui est-ce que tu as dit vous-même. Témoignage, là, ça me plaît. Mais au tableau, témoignage, par exemple, si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien, et puis vous êtes dehors, vous êtes recommandé qu'on vive après, vous venez un bon Dieu dans la vie. Et puis là, ça vous permet de témoigner tout ça. Ok, c'est ça, mais c'est pas ça suivi. Là, on parle à la loi. Et au témoignage, c'est des bagages qui marchent hein? Ensemble. La loi, c'est les 10 commandements. Témoignage, c'est les prophéties. C'est prophéties liées. C'est peut-être ça, et dernier verset, nous allons demander pour lui, pour qu'il comprenne. Cherchez pour nous Esaïe, Apocalypse chapitre 19, verset 10, pour qu'il comprenne témoignage qui est lié. Là, on parle dans le contexte prophétie. Là, on parle de témoignage, ce n'est pas un monde qui témoigne. C'est ça, il dit qu'il est pour vivre, ça, il va vivre, ça, il va pouvoir vivre plus devant. C'est ça lié. C'est dernier verset, nous allons lire. Pour nous terminer, Isaïe, pardon, Apocalypse 19, verset 10. On met les bien fort pour. Après, nous ne pouvons pas dire au monde qui va témoigner, mais nous demandons ça que les témoignages. On a dit la foi, on a dit témoignage. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit : garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous comprenez, Gounia? Léo Valo, qui sont témoignages de Jésus? Vous voyez, c'est un monde qui témoigne, c'est l'esprit de la prophétie. Et ça, nous, les Adventistes, nous, campons sur deux roches. Qui deux roches? Oui? Commandement de Dieu et prophétie. Si vous ne prêchez pas, vous avez des prophéties. Vous n'avez pas quitté la Bible. Il va nous quitter ça qui passe au commentaire et ça doit vivre devant, il va connaître. Et ça, c'est le témoignage, ou du moins, prophétie. Mais ça, Félix, je dis, pas de la loi sans prophétie. C'est ça, exactement. La loi lui-même, le monde qui est pour marcher. Ok. Prophétie lui-même, il faut voir qui ça capte en vie devant. Ok. Et souvent, la loi lui-même, son mieux allié, ou premier, se garder, ou comment figure, ou figure, ça, ou quoi laver. Mais est-ce que me wa ça la petite fatra dans figou? Non, puisque vinn propre figou connait là, on cherche moi pour marcher bien, de wa le monde pour parler d'attention. C'est professionnel mais ça les pour doit comprendre comment se chrétien comment pour vivre. Et mais c'est comme ça et ça nous dans les soins pour nous à quasi même était agi mal. Et bien à cause nous pas dit était fini mal vraiment mais nous pas refaire à cause, c'est sorti bien et tout. Et monde qui sorti qui est venu remplacer lui puis devant nous pas venir tout n'a continué étudier les prophéties et Isaïe n'a comprendre plus pour sur au devant nous inviter nous tout intéressés étudier les sons yo parce que dans les sons n'a pas on n'a plus de lumière par exemple et nous gain des monde qui sont avec nous là mais pas comprendre témoignage c'était prophétie et pendant appétit dire venir témoignage c'est prophétie et que Bible la limite pas besoin monde interpréter lui Bible interpréter tête lui et bien c'était tout ça n'est pour nous moi remercie nous d'est-ce que nous fait partie, nous avons accepté après-midi pour nous être capables d'entrer dans les sons ensemble avec nous. Mais nous avons parti pour vendre du poids depuis loin. Nous avons besoin de prendre quelques versets là-dedans pour nous, parce que nous n'avons pas cherché moi et Léon. Nous avons dit nous avons pour aller plus loin, nous avons lisez. Dans le grand espoir, nos morts peuvent-ils communiquer avec nous? Ok. Laissez là seulement nous besoin de nous aller. Le pas de nous de là, Saül, tu es venu bien désobéissant Saül envers bon Dieu, ou Saül, premier roi qui a choisi en Israël, et bien il a consulté les morts. Et maintenant, laissons ça de nous, nous parler de consulter le monde qui mourit, pour le monde qui est vivant. Et ça, quand nous voyons, et ou Saül, ou même il est passé dans le chemin, ça vient avec Saül. Et bien, nous n'avons pas de relation entre le monde qui est vivant avec le monde qui mourit. Alors, je pose une question, est-ce qu'il y a un monde qui a consulté un monde qui mourit pour comment vivre par la vie? Et vous dites non, la vie pas d'accord avec des choses comme ça. Je pense que la vie pas d'accord, le monde qui mourit, il n'est pas comme ça qui a passé. C'est au même cas vivre là, qu'on a un monde qui mourit. Le monde qui mourit, il n'est pas comme si Jésus a retourné pour l'encore, il s'est préparé, tout préparé. Si pas préparé, pas de chance encore pour lui. Mais au même, vous connaissez, vous devez ranger pied ou, ranger posé ou, les gens viennent pour parler ensemble avec lui. Ou même qui a accès à ça. Moun ki mouri ou pa ka mande comment vivre pour appuyer. Il va bien qu'on aide ou même ni ou même ou pa bien qu'on aide lui-même. Et c'est ça que yo ba nou parti vendre 17 de position. Yo ba nou yo livre de ka étudier malheureusement nou pa gagne livre ça yo dit nous. Et na époque mon hébreu, vous comprenez? Maman do ka bli ti fois ça pour nous li en pile, par contre c'est là ka ba nou temps seulement
À l'époque des Hébreux, il y avait des gens qui prétendaient, comme le font des spirites aujourd'hui, établis à la communication avec les morts. Ok, on va peut-être aller plus loin. Oui, frère Félix, question pas pour vous. Puisque les sons ont parlé de ça, que nous n'avons pas gagné pour nous capables de communiquer ensemble avec Moyo. Donc, Salomon lui-même lui dit ça, il y a un monde qui mourit, donc le monde n'est pas capable de penser encore et tout ça. Il n'est pas rien du tout. Nous connaissons un cas comme ça qui était répété dans la Bible. Et après que Saül lui-même était fin désobéi, bon Dieu, eh bien, nous connaissons bon Dieu, t'es utilisé le prophète Samuel pour être à côté de Saül. Pour faire connaître que lui rejeté. Nous connaissons après Saül te vin mouri. Mais puisque pouvoir, Saül le pouvoir menacer tout bon, il perdit le royaume ni tout bon, nous connaissons il était alcaillon mambo pour mambo atterrer Samuel, pour Samuel lui-même, pour être capable de parler ensemble avec lui au sujet de pouvoir. Est-ce qu'il a perdu le pouvoir tout bon? Tout ça. Bref, comment on capable expliquer nous ça? Comment on capable expliquer? Comment capable expliquer ça? Si toutefois, eh bien, yon moun ki kwen nan mort t'a posé yon question comme ça. Comment capable expliquer nous ça? Ok, on va peut-être aller plus loin. C'est ça, nous sommes tous dans des Hébreux, nous venons, qui ça a été? Et mon Hébreu, il était, on va descendre dans Jacob, yo. Il était prétendu que tu vas considérer moi pour comment il t'a bien, qui ça a été fait. Il y a un esprit vraiment, un esprit à Satan, et des fois, il vient paraître comme c'est Saül, parce que c'est Samuel. Il dit que mon ouais, c'est un mon ouais qui m'a dit que mon tête blanche. Ah, c'est Samuel. C'est menti, c'est Satan qui déguise, il vient paraître comme ça. Et quand je ne veux pas tout bien, mon cap considérer moi, jusqu'à présent, considérer moi pour comment vivre à bien. Il chrétien pas de nom comme ça. Et il est bon pour nous, capable de comprendre ça. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, à continuer. Ou même qu'à vivre, vous connaissez que pour mourir. Mais monde qui mourir, il pas connaît rien. Et ça fait que tout change nous dia pour préparer ou les retourner pour capable ensemble avec lui. Après des monde de cité pas faire ou pour capable consulter pour nous pas perdre ton travail comme ça. Seulement remettre toute bagaille dans main bon Dieu parce que bon Dieu qui dit nous depuis nous gain crainte lui-même nous pas perdre l'autre monde. Pas perdre l'autre monde. Et bien c'était tout ça nous pour dans leçon, on m'invite nous tous. Pour nous capables de mettre ça en application, lire et mettre en application. Parce que la Bible dit heureux monde qui lit et qui met en pratique. Mais il va dire ça qu'a privé pour monde qui lit qui va mettre en pratique, lire et mettre en pratique. Eh bien, nous va arrêter rien qu'on a fait, nous va peut-être nous faire prier. La demande si c'est mentable de prier pour nous. La prière. OK, c'est Florent à prier pour nous. Merci papa Dieu parce que nous te donne l'opportunité pour être capable d'étudier parole. Maintenant, nous sommes capables de mettre l'esprit où, pour nous capables de lire, non seulement lire, mais pour nous capables de mettre en pratique. Pardonne le péché, nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Félix, nous félicitons, nous remercions pour façon claire et précise que vous expliquez nous leçon 4 là. Alors... Merci à vous d'avoir suivi la leçon de l'école du sabbat avec nous sur. L'Évangile 777, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine leçon, pareil. Merci et que Dieu vous bénisse.